Pardon ? Vous n'avez pas le droit, vous êtes en train de commettre un abus d'autorité. Attendez, je viens d'être appelé par une cliente qui se trouve dans votre panier à salade, qui m'indique qu'elle est, elle a été arrêtée parce qu'elle avait un sweatshirt de la Manif pour tous. Est-ce qu'on peut parler ? On a le droit de filmer, madame. Je suis avocat. D'accord. C'est un abus d'autorité qui est en train d'être commis. J'ai une cliente qui est là. Oui, oui. C'est 7 ans d'emprisonnement encouru, hein. 432-4. Madame, vous les libérez absolument. Vous commettez un abus d'autorité. Vous n'avez pas le droit de les embarquer. Qui est le responsable ? C'est vous ? Qui est le responsable ? Quelle est l'infraction ? Quelle est l'infraction que vous leur reprochez ? Non mais il n'y a pas de problème. Non mais on négocie pas là. On n'est pas. Vous commettez un abus d'autorité. Non, mais une vérification d'identité ? À quel titre ? Parce qu'ils portent un t-shirt de la Manif pour tous. Ça s'appelle un abus d'autorité, ça s'appelle un atteinte à la liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du code pénal, vous risquez 7 ans d'emprisonnement, d'accord ? Oui, on va porter plainte, j'ai une cliente qui vient de m'appeler, qui a été embarquée parce qu'elle avait un t-shirt de la Manif pour tous. C'est quoi cet état de droit ? Ce prétendu état de droit ? Une rafle, c'est une rafle. Ah bon, on va vous être mis sur. Vous n'avez pas à les escorter pour les emmener au métro. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Je ne parle pas, je reçois des ordres. Oui, mais alors, non, mais alors, vous recevez des ordres, ce sont ceux qui vous donnent les ordres de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté individuelle. Ce sont ceux-là qui se rendent coupables. Vous m'empêchez de travailler là. Oui, ben non, attendez, excusez-moi, mais là on est en train de mettre fin à une arrestation arbitraire. Vous n'avez pas à leur dire, est-ce qu'ils ont commis une infraction ? C'est 7 ans d'emprisonnement pour chacun d'entre vous. Vous n'avez pas à les reconduire au métro. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a donné l'ordre de les arrêter, qui vous a donné l'ordre de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté d'aller et venir ? Maître, je vous dis qu'ils vont empêcher de travailler, je suis en train de m'adresser, donc je vous m'excuser de bien vouloir. On constate une infraction. On constate une infraction, nous sommes des avocats. Interpellez-moi, tu te sens. Je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122.4 du code pénal. Et l'article 432.4 qui s'applique à vous. Donc nous attendons que nos clients soient libérés immédiatement et qu'ils soient libres d'aller et venir. Et chaque minute supplémentaire qui passe est une minute supplémentaire pendant laquelle est commise l'infraction de l'article 432.4 du code pénal. Jérôme Triomphe, avocat. Voilà. Très bien, merci maître. Et vous êtes monsieur ? TI 520, je vous donne mon indicatif. TI 520, voilà, parfait. Voilà. Ah, il fait meilleur dehors. Donc on récupère notre appareil. Merci. Ah, liberté !
Vous êtes donc libre d'aller et venir. C'est la liberté fondamentale de n'importe quel citoyen qui a cette première des libertés de ne pas être arrêté arbitrairement par la police de la République française. Vous êtes libre d'aller et venir et de rentrer au palais de justice si vous le souhaitez, d'aller à la Sainte-Chapelle si vous le souhaitez et aller où vous voulez si vous le souhaitez. Merci. Merci.